Faut qu'un petit verre, capitaine. Pourquoi pas, hein? Ça peut pas faire de mal, tout ça. Dites-moi, tous les deux, là... Oh, je sais pas. À vrai dire, j'aurais annoncé à comprendre. Si vous voulez mon avis... Ah, non, je préfère non. pas. Non juste... Bon, bah écoutez, pas de problème. De toute façon, en ce qui concerne les histoires d'amour, le flair du policier n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Alors, ma petite Bénédicte, il est beau, Jimmy, hein? Ah, il est beau, hein? Eh oui, il est beau. Vous savez, quand j'étais jeune, ben moi aussi, j'avais du succès. Eh oui, si, si. Bénédicte! Johanna! Bénédicte! Mais Noémie, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la police chez nous, il fouille partout. La police? La police? Ouais. Non mais comment ça la police? Enfin qu'est-ce que vous racontez? C'est moi la police, et je suis là. Mais non, c'est pas vous, capitaine. C'est tout le policier, et ils ont mis les menottes à Bob. Ils veulent l'emmener. Mais de qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Attends, attendez, calme-toi. Venez voir. Calme-toi, calme-toi. Venez, 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 venez. Non mais qu'est-ce que ça veut dire ça enfin? Qui est-ce qui se fait passer pour la police sur cette île? Merci. Tiens. Encore? Vous ne laissez personne pendant 8 jours sur le bateau, faut bien ça. Et oui, les rues du large, ça creuse. Mais attendez, on n'arrivera jamais à porter tout ça. Je sais pas, moi, faut poser ça là et... Allez, chercher la voiture, hein. Je vais chercher. Ok, mes grouilles. Ouais, ouais, t'inquiète. Ok, on est bon pour rentrer à pied. Merci, José. Allez, on va faire un peu de sport. Un peu de sport avec tout ça dans les bras. Ça va, allez, on va se débrouiller. Vraiment pas pourquoi je n'ai pas été prévenu. Capitaine Garcia, je vous rappelle que cette opération ne vous concerne pas. Elle dépend directement de la brigade des stupes des Caraïbes. Et laissez-moi vous rappeler que vous êtes simplement capitaine du port et auxiliaire de police. Alors maintenant, dégagez et laissez-nous travailler, s'il vous plaît. Ok, ok. Je vous laisse. Je ne voudrais surtout pas nuire à une opération qui a été directement commanditaire au lieu et pour laquelle, visiblement, j'ai été jugé inapte, c'est ça? Attention! Non! Non, c'est... C'est fragile! Mais c'est quoi ce bordel? Alors rien, c'est la brigade des stupes. Capitaine, mais essayez de faire quelque chose, ils sont en train de mettre le bar à sac. Je ne peux rien faire, je ne suis que capitaine du port, mais je suis d'accord avec vous, c'est profondément déplaisant. Je vous en supplie, capitaine, mais faites quelque chose! Oui, Noémie. Bon, tant pis, j'y retourne. Vous cherchez quoi, au juste? Quand je vous entends poser des questions pareilles, capitaine, je comprends que vous ne soyez que capitaine. Oui, mais alors, bah, justement... Bah. C'est de la drogue que vous cherchez? Non. Des macaronis. Vous perdez votre temps, vous ne trouverez rien ici. Bob n'est pas un trafiquant, c'est impossible, hein? Bonjour. Il est chouette au carnaval, hein? Ouais. T'es en vacances? Non, je vais ici. Ah ouais? C'est marrant, ça, moi aussi, et on s'est jamais rencontrés. Ça fait que 2 mois que je suis là. D'accord.
Je m'appelle José, moi. Déborah. Ah, Déborah, c'est joli, ça. Bof, c'est un prénom. Évidemment. Et tu vis seule ici? Oui. Pas de fiancée, pas de mari, pas de chat? Bon, ça suffit le baratin. T'en veux pour combien? Pardon? Oui, de l'herbe, t'en veux pour combien? Je te préviens, elle est un peu chère, mais c'est top qualité. Arrivage permanent. Tu te trompes, là. Je touche pas à cette merde, moi. Bah, qu'est-ce que tu veux, alors? Rien, discuter, faire connaissance. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bon, excuse-moi, hein, j'ai pas le temps. Ah, d'accord. Du temps de vous la rouge, je crois qu'on l'a. Parfait. Je n'ai pas un trafiquant. C'est impossible. Et ça, c'est quoi, Capitaine Garcia? Je ne comprends vraiment pas. Bonne qualité, en plus. Vous y connaissez? Je connais mon métier, moi. C'est tout. C'est quoi, ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas moi. Je vous jure que c'est pas moi. Embarquez-moi ça. Non. Mais non, arrêtez. Non, laissez-le. Arrêtez, je vous dis que ce n'est pas moi. Je vous dis que ce n'est pas moi. Je suis innocent. On va prévenir les garçons, tu vas voir, ils vont nous aider, t'inquiète pas. Ça va s'arranger. Non, mais tu te rends compte dans quel monde pourri on vit? Terrible. Écoute, c'est dingue quand même. Tu rencontres une nana mignonne et sympa. Et tout ce qu'elle trouve à faire, c'est te refourguer de la cam. C'est nul. C'est vrai, c'est nul. Tiens, prends ces sacs. Bon, à la rigueur, elle m'envoie promener. C'est normal, je comprends. Mais là, ça me dégoûte. Bon, d'accord, mais mets ces sacs en cabine, s'il te plaît. Il y en a encore beaucoup? Non, c'est le dernier. Nico. Tiens, Béné, ça va? Bon, bah, des ennuis, faut que tu viennes. Quel genre d'ennui? Boudarou a débarqué chez lui avec des flics de la brigade des stupes. Ils ont trouvé un énorme sac d'herbe. Il manquait plus que ça. Ils vont pas pouvoir me le rendre. Ils vont me le mettre en prison. Il va devenir fou, mon Bob. Et nos enfants. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, nos enfants? Pour demi, on va t'aider. T'as aucune idée de qui aurait pu mettre ce sac sur le camion? Je ne sais pas. Ça peut être n'importe qui, l'agneau n'est pas en bas. Mais c'est pas Bob, il est innocent. Je vous jure qu'il est innocent. N'importe qui a pu mettre la cam, c'est évident. N'importe qui. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont planqué là. Ils auraient pu organiser une planque pour savoir qui l'avait mise. Ils ont été un petit peu plus intelligents. Ils vont pas se casser la tête, ils ont le coupable idéal avec Bob. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Faut savoir qui a planqué ce sac et le livrer à Boudarou. Et comment tu fais, t'as une piste? Il y a bien une fille qui t'a proposé de l'herbe ce matin. Ouais. Elle vient forcément de quelque part. La fille? Et non, l'herbe. Bah, il suffit de remonter la filière. Il est malade. J'ai un pote malade, il y a un toubib ici ou quoi, là? T'es taré ou? C'est pas possible, ça. Ça te tente? Ben, j'ai pas assez de fric. Tu sais t'en servir? Ouais, ça m'éclate cet engin. Bon, allez. Pour l'argent, c'est pas grave. Mais si tu me le rapportes dans un quart d'heure, ça va? Ouais, c'est vrai? C'est vrai. Tiens. Voilà ton sac. Merci, c'est super cool. Ah, je suis très cool. Ah. Hop, voilà, c'est bon. Et vas-y. Mais dans un quart d'heure.
Bon, maintenant qu'on a fait le tour de la ville, on peut peut-être rentrer. Pas avant d'avoir trouvé cette fille. Attends, mais ça va nous mener à quoi de la retrouver? C'est une autre piste. Nico, tout ce qu'elle a voulu, c'est me vendre un peu de cam, c'est tout. En attendant qu'on la retrouve, il faudrait d'une qu'elle sache quelque chose, et deuxièmement, qu'elle accepte de parler. Et pour ça, je compte sur ton pouvoir de séduction, ton charme naturel. Ouais, c'est marrant, ça. Tu peux pas laisser faire la police et puis te laisser bronzer tranquillement avec des gonzesses, hein? Attends. Rassure-moi, t'es pas aussi con quand même. Dans cette affaire, la police, c'est Boudarou. Et pour Boudarou, l'affaire est classée. Ça veut dire que si on ne fait rien, Bob va moisir en prison. C'est clair? C'est ton pote ou non? Ouais, ouais, c'est mon pote. Alors continue à chercher. Eh ben, t'es une vraie championne, toi. Je me débrouille. Voilà. Où est-ce que t'as appris à en faire? C'était il y a longtemps. En fait, t'as quel âge, toi? 19. T'as mon sac? Ouais, je l'ai mis au bureau. C'est pas prudent, laisser sur la plage. Sympa. Viens. Tiens, ton sac. Merci. Tu t'en fais un petit avec moi? Non, je touche pas cette merde, moi. C'est pas de la merde, au prix où je la paie, c'est du top. Pas de la merde? T'as vu dans quel état tu es? Oh, c'est bon, ça va. C'est juste un coup de fatigue, ça va passer. Ouais, ça va passer, ouais. À condition de balancer tout ça. Mais ça va pas! Y'en a pour de la thune là-dedans! Ouais, si t'es vraiment obligé de fumer, va fumer ailleurs, oh, d'accord? C'est bon, hein, t'énerve pas! Moi, je te proposais ça juste pour être cool avec toi! Excuse-moi, je suis désolé, d'accord? Je n'aurais pas dû m'énerver, mais bon. J'ai plein de potes qui sont tombés dedans avec cette merde. L'herbe, ça n'a jamais tué personne. C'est ce qu'ils disent tous, ouais. Et après, ils sont vides à essayer d'autres choses, tu vois? Bon, bah, écoute, merci pour le scout. Faut que j'y aille. Salut. Celui-ci un peu plus large. Non, mais celui-ci, c'est plus dans mes... dans ce que je vais chercher. Oui, c'est joli, ouais, tout ça sur le miroir, ouais, les coquillages, tout ça. Excusez-moi. Coco, Coco, tu t'occupes de la cliente, je reviens. Ok, boss. Salut. Salut. On se connaît? Non, mais j'ai un copain qui m'a dit que t'en avais. De la bonne. Mais de quoi tu parles, là? C'est qui ton copain? On s'en fout. Ce qui compte, c'est que je puisse payer. Écoute, je suis désolée, mais tu dois faire erreur sur la personne. Hein. J'ai rien à vendre. Excusez-moi, je suis désolée. Je... Salut. Ouais. Pour l'instant, on a fait chou blanc. De toute façon, même si on avait mis la main dessus. Je vous arrête de râler, Nicolas a raison. De toute façon, c'est la seule piste qu'on ait. Je râle pas, je constate, c'est tout. Mon pauvre Bob. Il doit être fou. Mon Dieu. Pourvu qu'il fasse pas de bêtises. Mais non, t'en fais pas. Ouais, c'est la police, ça. Hein. Quand elle donne dans la bavure, elle fait fort. En attendant, c'est toujours aux autres de se taper le boulot. On se demande pourquoi on paie des impôts, tiens. Ah, pour que la police la coule douce. Pendant que les autres recherchent les vrais capables. Mais ça fait 10 fois, je vous dis, j'y suis pour rien. C'est pas moi qui m'occupe de ce dossier. Mais pourquoi vous vous énervez comme ça, capitaine? On parle pas de vous. Bon, ça va, hein. Ne me prenez pas pour un imbécile. Bon, excusez-nous, capitaine, mais on est en train de boire un verre entre amis. Et jusqu'à maintenant, aucune loi nous oblige à le faire avec un représentant des forces de l'ordre. Attendez, je suis votre ami. Alors, prouvez-le. Bob a besoin de tous ses amis maintenant. Oh, écoutez, Bob, il est gentil ce Bob, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est Boudarou qui a le dossier, hein? Je suis pas dans le coup, même pas en tant que subalterne, alors! Bon, d'accord, vous pouvez rien faire en tant que représentant de la loi. Mais en ami... Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Écoute,
Noémie a besoin de voir Bob. Ce sera bon pour le moral. De l'un comme de l'autre. Garde à vue ? Non, ça c'est impossible ça. Capitaine, on a dit en ami. Bon, je crois que je vais pouvoir m'arranger. Poudarou a quitté l'île pour la journée. À condition d'être discret, pourquoi pas ? Voilà ! Voilà, capitaine ! Ah, je vous adore. Va t'acheter une glace. À tout à l'heure. Si. Hey. J'en ai si tu veux. Tout à l'heure, tu m'as... Non, mais je croyais que t'étais un flic. C'est la première fois qu'on trouve que j'ai un look de flic. Tu sais, les flics, je commence à en avoir l'habitude. Hein. C'est des vrais caméléons. Mais bon, je vois que tu bosses vraiment ici. Puis le gamin. Puis qu'on irait jamais un gosse dans leur combine. T'as raison. Bon, t'es une nana, mais t'as l'air réglo, ça va. Pourquoi tu dis ça? Moi, j'aime pas vendre aux femmes. Pourquoi tu le fais? Parce que j'ai besoin de fric. Puis tous les mecs que j'accroche depuis ce matin, c'est des fauchés. On t'en veut combien? Je sais pas. Un bon paquet? Ah. Bon, écoute. C'est pas seulement pour ma conso perso. J'ai des clients à fournir et ma filière habituelle n'arrive plus à suivre. Ouais, mais t'as une idée de ce qu'il te faut? Non, 1 kilo. Mais alors là, je suis désolée. Hein. Je peux rien faire pour toi, c'est bon. Bon, ok. Tu peux pas m'en vendre, mais tu peux peut-être me mettre en relation avec ton fournisseur. Une minute. Tiens, pour commencer. Et t'auras 10% de la somme, si ça marche. 10%? Ok. Je veux bien essayer. Mais t'as intérêt à être réglo, hein. Et à aligner les billets. T'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut. On fait comment? Viens avec moi. Coco, tu gardes le stand, j'ai une course à faire, hein? Ok, boss. Comme d'habitude, de toute façon, j'ai ma glace. Vous avez 10 minutes, hein, surtout pas plus. C'est juste le temps qu'il faut au gardien pour aller faire la course que je lui ai demandé. Et alors, je veux surtout pas qu'il vous trouve là sans retour. Hein. Ok, capitaine, 10 minutes, c'est promis. Merci. Je compte sur vous, hein. Allez. Baba. Ma doudou. Papa. Comment t'as fait pour venir ici? Bah, et c'est grâce à eux et aux filles. Ils ont forcé le capitaine Garcia. Non. Merci, mes amis. Vous êtes vraiment formidables. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Je suis innocent. Vous le savez bien que je suis innocent. Mais oui, on le sait, Bob, on le sait. Ouais. Mais eux, ils croient que c'est moi. 10 kilos. J'aurai jamais le fric pour me payer tout ça. Et on sait, c'est évident. Mais ce connard de Boudarou, il dit que c'est moi. Il sait tout, il dit que c'est moi. Et il me laissera crever ici en prison. Mais non. Ils vont reprendre l'enquête et on trouvera le vrai coupable. Ah bah, attends, Noémie. Boudarou accepte de prendre l'enquête à zéro. Non, pas Boudarou. C'est eux, Nicolas et José. Ah, d'accord. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je veux pas prendre de risques, moi. Mais... La prison, je connais. Mais... Qu'est-ce que tu fais? Attendez. J'ai pas envie de moisir ici, donc je me casse. Oui, mais... Quoi? Comment ça se casse? Non, mais attends, tu te casses pas, s'il te plaît. Ça va bien, mais... Bon, oui, je me calme. Oui, je me calme. Attends! Hé! Non, mais... Attendez-moi! Montez! Attendez-moi! Mais qu'est-ce que je vais raconter à Boudarou, moi? Hein? Attends là. Okay.
Comment es-tu prêt? Vous trompez, là. C'est vrai, ce que tu dis? J'attends quelqu'un. Casse-toi. Ok, ok. Je savais pas qu'elle était avec toi. C'est toi qui cherches de l'herbe? Ouais. J'ai pas dit que t'étais mignonne. Ça va être un vrai plaisir de travailler avec toi. Mon seul plaisir, c'est le business. T'en faut combien? 1 kilo. Tout de suite, est pas cher. Faut que je garde ma marge. Attends, petite. Ici, c'est moi qui fixe les quantités, le prix de vente et ton petit bénéfice, ok? T'as pas expliqué? J'ai le pot au coin de la rue, moi j'ai mes clients. Alors c'est moi qui fixe les prix, ok? Qu'est-ce que tu viens me gonfler, Wonder Woman? Tu te démerdes si bien toute seule. Attendez, attendez. Faut toujours s'expliquer. J'ai mon dealer qui m'a fait faux bon, il faut que je m'approvisionne ailleurs. Chez vous, par exemple. Je paye cash. Bon, suis-moi. Ah, bravo, les gars, hein. Vraiment bravo, hein. Je vais me faire virer, moi. Vous entendez? Virer. Non, j'y tourne à gauche, fais gaffe. $1000. 800. Non, c'est de l'extra. Qualité supérieure. Rien à foutre. 800 à prendre ou laisser. Ok, comme vous voulez. Si vous préférez négocier quelques grammes avec les petits dealers, c'est votre problème. J'ai pas dit non. Les affaires sont les affaires. Alors? Allez, c'est jouable. Vous avez la marchandise? T'as le fric? Un coup de fil à donner. Moi aussi. Enfin, plutôt, j'ai besoin de quelques heures. On a eu une embrouille sur notre dernier arrivage. C'était du foin? Une planque foireuse. Oh, mais t'inquiète pas, j'aurai ce qu'il te faut pour ce soir. 8 heures ici, ça te va? Ok, ça me va. À ce soir, avec la marchandise. Arrête tes conneries! Non, Nicolas, lâche-moi! Bon, tu te calmes et tu m'écoutes. Lâche-moi! Je dois le tirer, lâche-moi, je te dis! Tu veux te tirer? Et pour aller où? T'as vu la taille de l'île? Ils mettront pas 48 heures avant de te retrouver. Je prendrai un bateau, j'irai à la nage s'il le faut! Tu te conduis comme un coupable! Ouais, parce que si j'arrête, je ne suis pas coupable peut-être pour toi. Pour le moment, si, mais ça va pas durer. Écoute, fais-moi confiance. Je fais tout ce que je peux pour te sortir de là. Qu'est-ce que tu peux faire, Nicolas? Tu les connais, les ministres, les procureurs, les préfets, tous ces pecnos qui font la pluie et le beau temps, hein? Ces pecnos-là, ils en ont rien à cirer de ma bouille. Mais oui! Bon, écoute, si je retrouve le vrai coupable, Boudaou sera bien obligé de rouvrir le dossier, non? Boudaou. Et si ça ne marche pas? Je vais crever en prison, Nicolas! Bon, qu'est-ce que tu veux, des garanties? Je peux pas t'en donner! Sauf que si tu continues, ça tournera mal, ça j'en suis sûr. Qu'est-ce que tu veux, vivre en fugitif? Je crois que c'est une vie pour un mec comme toi, qui peut pas se passer de ses mômes, qui vit sur une plage, et ta musique! Qu'est-ce que j'ai pas faire? Rends-toi. Rends-toi, les filles vont te tirer comme un lapin. Pense à tes gosses! Tu peux pas leur faire un truc pareil, non? Ok. Je me rends, Nicolas. Je fais sûrement une grosse connerie, mais je te fais confiance. Allez.
d'aller voir les flics? Non. Je suis sûr que je me trompe, hein? Le capitaine Garcia est un pote à toi, c'est ça? Tu m'as vraiment pris pour un cave. Je vérifie toujours à qui j'ai affaire avant de traiter. Allez, monte là-dedans. Salut. Ah, salut. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Ben du fric. Bah je vois, oui, mais c'est pour faire quoi? C'est pour payer ma balade de tout à l'heure, puis pour en faire une autre. Où est-ce que t'as trouvé ce fric? C'est à moi. Je l'ai pas volé, si c'est ce que tu veux savoir. Tiens. Garde ton fric. Si tu veux faire un tour, prends celui-là. D'accord? Ok. Merci. T'es un peu con, mais t'es super cool. Bon. Faut qu'on parle tous les deux. Je t'enlève ça, mais je te préviens. C'est pas la peine de gueuler, personne ne peut nous entendre. En plus, si tu gueules, ça va m'énerver. Et je serai obligé de t'en coller une. Compris? Ok. Bon. Bah t'es pas trop conne. Alors comme ça t'as un indique? Non. Ah oui. Et qu'est-ce que tu allais foutre chez ce connard de Garcia? Mais je passais comme ça par hasard et j'avais des papiers à signer. Tu te prends pour un con? Et tu te prends vraiment pour un con? Mais je vous jure que je suis pas un indique, je suis pas un flic, mais vous pouvez vérifier! Pourquoi prendre un risque? Bah, pshh, un peu d'acide et plouf, à la mer. Fini, plus de problème. Ce que j'aurais fait, non, tu crois pas? Mais t'as une trop jolie petite gueule pour la gâcher comme ça. Alors j'ai une autre solution qui va nous convenir à tous les deux. Je vais te refiler un de mes clients qui a un bordel à Curaçao. Belle plante comme toi. Tu vas m'en donner un joli petit paquet. Qu'est-ce que t'en penses? Salut Coco. Salut. Tu n'aurais pas vu Jeanne? Elle est partie avec une fille. Quelle fille? Une blonde. Elle avait un anneau dans le nez comme une vache. Avec un anneau dans le nez, elle l'a retrouvé. Oui, elle l'a retrouvé alors. Mais alors elle est sur sa piste. Il y a longtemps qu'elle est partie? Je sais pas moi, une heure. Mais j'espère qu'elle prendra pas trop de risques. T'es inquiet pour ta chérie? À bientôt Coco, merci. Ciao. Ça s'est bien passé? Super! C'est vraiment le pire! Tiens. Je t'ai déjà dit non. Garde tes sous. Ok, d'accord, mais... je peux te remercier quand même? Bah oui, ça... Non. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça te plaît pas? Oui, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup, mais bon, je... Ben alors, laisse-toi faire. Non, Déborah, je suis pas libre. T'es fiancée? Pas exactement, mais... C'est un peu compliqué à expliquer, tu vois, c'est... Dommage.
Ouais, peut-être, ouais. Tu as tort, tu sais. La vie est trop belle pour ne pas qu'on en profite. Tiens, je te mets mon adresse là-dessus. Et si tu changes d'avis, on pourrait se faire du bien tous les deux. Ah ouais? Je suis là en général le soir. Oh, allez, capitaine, arrêtez de vous en faire. Boudarou n'était pas là et Bob est retourné dans sa cellule, donc tout va bien. On a eu de la chance, c'est tout. Salut. Voilà, vous avez l'air crevé. Vous voulez boire quelque chose? Mais non, merci, on n'a pas le temps. Vous avez vu Jeanne? Non, pourquoi? Ça dépend ce que nous a dit Coco, elle a retrouvé la dealeuse qu'on cherchait. Elle est partie avec elle. C'est super, ça. Oui, sauf que ça s'est passé à 3 heures et qu'elle est toujours pas revenue. Alors qu'elle sait très bien que Coco peut pas fermer le stand tout seul. Attends, tu crois que... Non, je crois rien du tout. Ça commence à m'inquiéter. Bon, on y va? Bon, je vous propose pas de... Non, parce qu'enfin, comme Boudarou est sur l'île, ça m'est difficile. Enfin, vous comprenez? Bien sûr. Ok, capitaine, on la comprend. Hein. On comprend. Oui, bon, ben d'accord, je viens avec vous. Alors, ça te plaît? C'est pour toi, ma beauté. Dis haut de gamme. Tout enchaîne. Capitonnage pur soie. Tu vas voir comme c'est moelleux. Tu seras bien, tu sais. Ah, t'as du cran, hein? Allez, rassure-toi, j'ai pas changé d'avis. C'est juste pour que tu nous foutes la paix jusqu'à Curaçao. Allez, embarquez-moi ça. Et en plus, c'est climatisé. Salut tout le monde. Salut. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Vous en faites une tête. C'est encore Bob. Il a fait une connerie? Ouais, il en a assez fait pour aujourd'hui, celui-là, c'est bon. Non, c'est Jeanne. Elle a disparu en suivant une dealeuse pour essayer de remonter la filière. En plus, c'est une de mes idées. Ça va, c'est pas de ta faute. Hein. Une dealeuse? Mais quel genre de dealeuse, comment cette fille? Une petite nana, blonde, les cheveux longs. Mignonne, hein? Avec un anneau dans le nez. Elle a essayé de me vendre de l'herbe ce matin au marché. Avec un... Mais je la connais, cette fille! Comment ça, tu la connais? Je sais, on peut la trouver. J'ai son adresse. Du monde, attends quoi, on y va, là?
sûr que c'est là? Ouais, c'est là. Bon, j'y vais. C'est toi? Ouais, c'est moi. C'est bien que tu sois venu, entre. Viens. Écoute, Déborah, il faut que je te parle. On parlera après. Viens, je t'attends. Déborah, j'ai besoin de toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis en plein trip, merde! Écoute, j'ai une amie qui a des ennuis. Et je crois que tu peux l'aider. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je peux aider personne, c'est moi qui suis dans la merde. Ne crois pas ça. Elle s'appelle Jeanne. Jeanne connaît pas. Tu l'as vu au marché, après vous êtes partis ensemble. Comment tu sais ça? Parce qu'on me l'a dit. Mais c'est pas ça qui est important. En fait, elle a disparu. Et on pense qu'elle est en danger. Déborah, il faut que tu me dises ce que tu sais. Pour que je puisse la retrouver avant qu'il soit trop tard. Déborah, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de cette fille, hein? Qu'est-ce que j'en ai à foutre des autres? Pour ce qui s'intéresse à moi? Écoute-moi bien, j'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. S'il te plaît. D'accord? C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il fout là? Il interroge en bégayant ou quoi? Attends, c'est plutôt bon signe. S'ils sont pas revenus, ça prouve qu'elle est ouverte à la discussion, c'est tout. Qu'elle est ouverte à la discussion. Il y aura le bol, j'y vais. Moi. C'est bon. Déborah, c'est où se trouve Jeanne? Elle va nous emmener. Allez faire un tour, c'est meilleur pour votre santé. Allez, hop. Elle est où? Ah bah attends, de quoi? Mais de qui tu parles? Je comprends pas. Tu comprends pas? Tiens-le. Tiens-le. T'as dit, Nico, qu'est-ce que tu fais? Fais pas le con, là-haut. Écoute-moi bien, je ne sais comme ma soeur. Quand tu me dis où elle est, je te jure. Je te jure, je n'hésiterai pas. Putain de bateau! Comment il s'appelle déjà? Le Green Bird. S'il m'a menti, s'il s'est foutu de ma gueule, je le tue. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez le Green Bird? Ouais, mais il est parti tout à l'heure. Merde, merci. Bon, viens, viens. Ah, ok.
capitaine Garcia. Oui, on sait où est Jeanne. Elle est sur un bateau. Le Greenbird. Mais évidemment, contre son gré. Quoi? Mais c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? La vedette de police est indisponible, Boudaro est à la pêche. Bon, qu'est-ce qu'on va faire sans la vedette? C'est pas avec le miracle qu'on va la rattraper, hein. Bah, il y a un moyen. Vite, venez. Qu'est-ce que c'est? Ça va déranger les poissons, ça. Si ça passe trop près, vous verbalisez, hein. Ça m'énerve, ça! Ça m'énerve! Ça mord pas, en plus, évidemment, avec ce bruit! Bon, écoutez, vous verbalisez. Là, c'est vrai que pour ça, faut les rattraper. Mettez en route et relevez l'ancre. Je suis prêt dans 2 minutes. Qui c'est? Boudaro. C'est la première fois que je suis content de le voir, celui-là. Nico! Hey, Nico! Oh John! Trinquer. Alors, bravo, bravo, bravo. Et je propose, mes amis, que les 2 prisonniers du jour lèvent leur verre à la santé de leur libérateur. Santé. Merci à tous. Merci. Santé, Esquéol. Santé. Et sans vous, mes amis, la petite irait droit au bordel à Kurosawa. Et moi, je pourrais être en prison. Nicolas, je savais que je peux avoir confiance en toi. Il a fait ce qu'il fallait faire.
trouver les vrais coupables de ce trafic de drogue. Eh oui. 10 kilos, tu t'imagines? Bah, j'ai eu un petit peu de chance et puis un sérieux coup de main. Bon, mes amis, soyons sérieux là. Je voudrais proposer une minute de silence. Oui, ayons une pensée émue pour notre cher Garcia qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Non, je déconne pas, obligé de surveiller les gros bonnets de la drogue arrêtés par son chef bien-aimé. Hey. Bon, t'en es là pour faire les fêtes, pour danser alors. Musique. Yes, yes. Hey Déborah, tu vas où? Je m'en vais. Vous m'avez donné une chance en me donnant pas aux flics. À moi de la saisir. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pars. Je vais faire une cure de désintoxication. Et essayer de refaire ma vie. Déborah, je voulais te dire un truc. Non, ne dis rien. On t'attend, je crois. Non, ça va. Déborah, attends! Attends. Quoi? T'es une fille formidable. Vraiment. Et je suis sûr que tu vas t'en sortir. Sûr. Et si un jour, t'as besoin de moi, tu sais où me trouver. D'accord? Merci. Merci. De rien.